Salut tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas l'occasion de se croiser sur la chaîne. C'est vrai que j'ai pas forcément eu le temps de beaucoup jouer aux jeux vidéo, j'en ai mis pas mal en stand-by et là pour le coup, celui-ci forcément. Fallait que je fasse une vidéo sur ce jeu qui, à mon avis, va, comme pas mal d'autres gamers, me pourrir un peu ma vie sociale là dans les semaines à venir. Red Dead Redemption 2, ça y est, c'est parti, on y va! Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Okay. Arthur's out looking. I sent him up ahead. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. There. Oh. Arthur! Any luck? I found a place where we can get some shelter. Let Davy rest while he... You know. An old mining town. Abandoned. It ain't far. Come on. Come on! Yeah! Bring him in here! Miss Gaskell, get that fire lit, quick! Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here, and you are gonna get yourself warm. Now, I sent John and Mike scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride out, see if we can find one of them. And this? Just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, all of you, for a moment. Now, we've had, a bad couple of days. I loved Davy, Jenny, Sean, Mac. They may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could
throw myself in the ground in their stead, I'd do it gladly. But we are gonna ride out and we are gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. All right. We've got some work to do. We ain't run into them yet, so they both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Oh. Hey, you need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith, get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son. We need you strong. Okay. Bon, eh ben, on va du coup suivre Dutch maintenant pour coller. Vas-y. Ok. Ok. Stay close. We'll do our best to stick to the trail. This goddamn weather. Been 2 days or more like this now. Oh, it has to blow over soon. Ok. D'accord. Donc là, on est clairement sur comment monter un cheval. Faire trotter, galoper peut-être bien. Ok. Sur R1 pour ralentir le cheval. D'accord. Donc là, ça le stoppe carrément même. Ok. Viens, ma hauteur, fiston. Je voudrais pas te perdre. Appuyez deux fois rapidement sur un et maintenez pour chevaucher. Ok. Voilà. C'est trop cool. Ouais, on va pas flancher. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un? Je ne suis pas armé, je ne crois pas, donc bon. On va essayer de pas se faire péter les fesses, hein, dès le début. Who's there? Micah. Gentlemen. Found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. How's Davy doing? He didn't make it. Nor did little Jenny. That's too bad. Davey was a real fighter. Both of them calendar boys is. Allez, let's go. Vas-y, cours, cours, cours. Enfin, galope, parce que courir un cheval. Ah, ça va le faire. Allez. C'est parfait. Alors, du peu que j'en ai vu pour l'instant, du peu qu'on en a vu aussi sur la cinématique du début, écoutez, j'ai juste envie de vous dire que visuellement, je pense qu'on va, comme quasiment à chaque fois avec les jeux qui sortent récemment, bon, en plus Rockstar qui a vraiment beaucoup bossé sur ce jeu, je pense qu'on va encore se prendre une très jolie claque visuelle pour notre plus grand plaisir, bien entendu. Ok. Je le suis, moi, le type. Hein. Je peux parler en faisant L2. Ouh, fuck. Ah ouais, d'accord. Ça, alors, c'est pas très pratique, ça. Tu es sûr de ton coup?
T'es tombé sur qui d'autre? On va lui poser cette question, tiens. Ok. Ok. Rangez vos lanternes. Vaut mieux que ça roule. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Petite maison, petit village. Ok. Putain, c'est cool. C'est assez perturbant parce qu'on démarre et qu'il fait nuit. Mais je trouve ça cool. Votre santé est affichée en bas, à gauche de l'écran. Ok, effectivement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va essayer de pas se faire péter les fesses au bout de 2 minutes de jeu. Ce serait dommage. Ce serait vraiment dommage. Surtout que je suis pas sûre d'être armée, donc... Approchez-vous des poteaux d'attache. Purée, vache. Je sens que ça va être hyper réaliste aussi. Maintenez pour attacher votre cheval. What? Mais c'est trop bien. C'est trop bien fait. Svedetch. On va l'attendre qu'il passe. Ok. On entend de la musique, on dirait bien, non? Ouais, ça s'amuse. Donc, effectivement. Arthur, in that cattle shed on the left. Micah, get down behind that wagon in front. Allez dans l'abri et puis sur R1 pour vous mettre à couvert. Alors, je sais pas trop de quel abri, je pense que c'est celui-ci dont il parle. Arthur, what are you doing? I said get out of sight. Eh ben, c'est ce truc-là, non? De toute façon, moi je m'appelle pas Arthur, jusqu'à preuve du contraire. Là-bas, dans l'autre truc. C'est un truc derrière. Ok, ok, mon gars. Attends, 2 secondes. Est-ce que je peux courir? Non? C'est ce truc-là, peut-être. Alors, R1. Merde, donc c'est moi, l'abri à bestiaux. Alors, je vois plein de trucs, les gars. Hein, à un moment donné. Je sais pas si c'est ça, mais ça me paraît un peu trop éloigné. On va voir. Retourner à l'abri. Mais non. Ah, mais je suis con, putain. Il y a le point jaune là-bas. Ouais, autant pour moi. Désolé, je voulais faire une petite visite. Il fait froid, je sais, mais bon. Ça me tente bien, hein, de pas suivre les règles. Donc j'imagine que ça devait être ce truc-là, en fait, en vrai. Voilà, ok. On peut se mettre à couvert là-dedans? En tout cas, on y est. Voilà. Est-ce que c'est bon? Ça a l'air de lui aller. Effectivement, là, c'est plus logique. Excuse-moi. Hello. Oh, hello, friend. What you want? What you want? Sorry to disturb you. My friends and I, well, we got into some trouble up the way. Lost in the storm. Utiliser. Un. Ouais, c'est bon ça. We can't help you, mister. I got folks, Arthur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah putain, il y a un. Oh putain. Ok, ok. Protéger Dutch. Keep your eyes on Dutch. Keep a Dutch des yeux. Putain, ça craint. Ok, on a un petit flingue ici. C'est parfait. Ok, au cas où. Est-ce qu'ils vont faire quelque chose? Sinon, moi je les bute maintenant. Hein. Voilà, c'était sûr. What the fuck? Ok. Oh l'enfoiré, je t'avais pas vu toi. Te baisse pas, te baisse pas. Relève-toi. Relève-toi.
Je sais pas comment j'ai fait. Merde. Relève-toi, s'il te plaît. Ils sont où? Oh! Merde. Maintenez, poursuivez le hors-là-là. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où ce bâtard? Il est là-bas. Ok. C'était sûr que ça allait déraper. En même temps, c'est moi qui ai choisi de tirer. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Allez, cours, 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 mec. Faut qu'on le rattrape, là. En plus, la santé, je crois qu'elle en a pris un petit coup. Retourner auprès de Dutch. Bah, d'accord. Mec, tu me demandes de le suivre et après, faut que je retourne auprès de Dutch. Bon, bah, on va retourner auprès de Dutch. Allez, c'est parti. On l'a perdu, hein. Laisse-le. Il survivra. Ouais, bah oui, tu m'étonnerais. Suivez Dutch. Mais il est où? Attendez-moi, les gars, hein, j'arrive. Hein. Il y a de la neige, là, je suis un peu enlisé. Je suis là, j'arrive. Où es-tu, Dutch? Bien joué, Arthur. Un vrai as de la gâchette. Ok. Ok. Ça roule. Ah, ça j'aime bien. Si on peut faire un petit peu d'explo, je suis pas contre, ce que je surkiffe. C'est parti du jeu. Sacrée fête, vu l'odeur. Ça roule. Whisky. Ok, baby. Eh ben, on va voir ce qu'on peut trouver, hein. Pour l'instant, ici, chipette, dans les coffres. Pour ouvrir les coffres. Dans la maison, maintenez carré. Proximité d'un objet pour ramasser. Ok. On peut tout ramasser ou non? De ramasser tous les trucs qu'il faut, mec. Ok, on va essayer d'être bien défoncé. Est-ce que là on peut ouvrir? Non, c'est l'extérieur, c'est l'extérieur. Remonte, remonte, remonte. Ok, on va pas ressortir. On ne ressort pas. Prendre. Ah voilà. Ok. On va prendre tout ce qu'on peut, hein. Fouiller meuble. Ah bah voilà. D'accord, ok. Donc peut-être que je pouvais fouiller le coffre. Je sais pas non plus ce qu'on peut. Jusqu'à quel point maintenez. Voilà, pour ouvrir votre sacoche. Ok, donc là on a du maïs. On a donc des pêches, des haricots à la tomate, un assortiment de biscuits. Bon, bah, c'est pas mal tout ça. Et ça, ok. Putain, ça fonctionne. D'accord. Comme dans Fallout, quoi, faut bouffer pour survivre. Et ben on va se taper un petit peu de biscuits, tiens. Et là, alors est-ce qu'il montre ce que ça restaure? Là, ça restaure pas que de la vie d'ailleurs, de l'énergie. La vie et de l'énergie. Là, on est que sur de la vie. Je peux aller jusqu'à 10 paquets, d'accord. On va manger, hein, une petite boîte. Voilà. Ok, est-ce qu'il y avait des choses à prendre là? Retrouve-moi dehors quand t'as terminé. Ouais, ouais. Je vais regarder un petit peu là ce qu'il y a sur cet établi. Ok. Des galettes d'avoine. Ok. Toujours ça de prix. C'est pareil, je pense que la bouffe, il y aura peut-être des trucs. Fouiller le coffre. Voilà, ça que je voulais faire depuis tout à l'heure. C'est dommage que j'arrive pas trop à voir ce que c'est. La thune. Parfait. Fermé, non. Non, non. On a truandé, on a truandé. Hein. Voilà. Il y a un étage. Donc je pense que ce sera pas inintéressant. On va prendre. Balle pour revolver. Ah oui, bah si, ils le mettent en fait, ce que c'est. Balle pour revolver, ok. Rien de plus dans les médias. On ne dirait pas. Eh ben, on va redescendre. Par contre, j'ai pas vu de Sky. Normalement, ça aurait dû être sur la table. Mais comme mon pote, il a fait aussi du ramassage. Et ben, je pense qu'il n'y a plus grand chose à prendre. Du sang. Je détecte du sang. Allez, on va la récupérer.
notre cheval et voir ce qui se passe ensuite. Faut qu'on continue. Ok. Micah, you search the cabin, see what we missed. Ok. Donc ce coup-ci, on va vraiment dans la grange. Et on peut courir. Parfait. D'accord. Si t'as besoin de revoir boussole. Examiner la grange. D'accord, juste une fois. Ouvrir cette porte. Qu'est-ce qu'on a donc là-dedans? Peut-être des chevaux? Oula! Oh putain! Bah ouais, mais... Ok. Bataille avec les poings. On va l'interroger un petit peu. Find out what they're doing here and where Combe is. Oh, this son of a bitch would talk. Where's Combe, O'Driscoll? With the others. At an old mining camp southwest of here. C'est carrément bien fait, quoi. C'est génial. What are you bastards doing? Why are you up here? We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. I don't know more than that, I swear. Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. But bring that horse when you're done. Voilà, comme ça, c'est fait. Boum. Connard. Alors, comme ça, t'es une petite frappe, hein? Ramassez votre arme. Elle est où? Où est mon gun? Où est mon gun? Je l'ai plus? Ah, il est là. Ok. Ramassez votre chapeau. Mais, bordel. Prendre. Ok. D'accord. On a le chapeau. On a le flingue. Et on va récupérer du coup le cheval. Maintenez L2 pour centrer la vue sur le cheval. Apaiser le cheval. Ah oui, on va l'apaiser, on va l'apaiser. Putain, faut les dresser et tout. Ok, niveau 1, ok. Ok. On va prendre le cheval, on l'amène avec nous à l'extérieur. On va amener le cheval jusqu'au poteau d'attache. C'est parti, mon kiki. Ah oui, il est cool. Ok. Là-bas, sur ce point-là, où j'ai encore dépassé le point. Ah putain, mais... Qu'est-ce qui se passe encore? Bordel! She's one of them O'Driscolls. No, she ain't, Michael. Look at her. Miss, miss. Are you... Oh, you fool! Michael! Miss, now, it is gonna be okay. We mean you no harm. Miss, miss. Come on. It'll be okay. We need to get out of here, and quick. Come on, now. Oh. You okay, miss? They came 3 days ago. And my husband, they... Okay. Miss, you are safe now. And you can't stay here. You come with us. Arthur. Miss, it's okay. We're bad men.
We ain't them. Come. It's okay. Get on. We'll keep you safe until you figure out what you want to do. What's your name, miss? Miss. Adler. Adler. Sadie Adler. Mrs. I... He was my husband. Like it's Dutch. Hey, everybody, Dutch is back. How'd you get on? Micah found a homestead, but he weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there, but there is more about, apparently. Scouting the train. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food. And this poor soul, Mrs. Adler. Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan? We put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? Now how come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed. He ain't been seen in days. Weather ain't let up. He's strong. And he's smart. Strong, at least. Hello, Arthur. Abigail. Arthur, how you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to... I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two... 2 days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? We're pretty worried about him. I know. The situation were reversed, and he'd look for me. Thank you. This way. Last I know, John was headed up the river. For all we know, he kept riding north and never looked back. He wouldn't leave. Not like that. Wouldn't be the first time. Take a look. Let's hope it ain't more of O'Driscoll's boys. Well, seems somebody left. Recently. And that way. Sure, well, come on then. C'est reparti. Hop là. On va suivre Javier. Javier. See, they can
That way. La santé de votre cheval est indiquée dans le coin inférieur gauche. D'accord. Donc le cheval aussi subit des dégâts en fait. L'énergie, il ne peut plus galoper. D'accord. Endurance pour le cheval quoi. Ok. C'est super bien fichu, mais je pense que ça va être hyper réaliste et donc du coup faudra pas faire les margoulins. Sinon je pense que ça va être très compliqué. Ok. Ouais, c'est pas tombé dans la crevasse, effectivement. Allez. Davey got shot. Mac and John, both shot too. Sean, we don't even know. I'm surprised we escaped at all. By the time you boys showed up from the other side of town, we were only just holding on. C'est vraiment trop cool. Bad business, all right. Damn snow's coming in hot again. We'll lose these tracks if we don't move fast. On va essayer de se speeder, moi je veux bien, mais faut juste que tu me dises où est-ce qu'on va, mon gars. Parce que dans l'immédiat, on monte les petites montagnes. Ok. Oh la vache. Je me demande comment les mecs faisaient quand même à l'époque, avec si peu sur le dos. À des hauteurs comme ça où ça doit cailler. Moi, il fait genre 2 degrés en ce moment à l'extérieur. Je me les pèle avant d'avoir mis le nez dehors, quoi. Au bout de 3 secondes, déjà, je suis gelé. C'est abusé. Parce qu'on est en train de perdre sa trace, c'est ça? C'est vrai que dans les médias, il n'y a plus trop de temps. Ah. Alors let's go. Effectivement, il y a un truc là. Bah oui, bien sûr. Comme ça, il y a une avalanche. Ah non. Come on. Up there. Allez, go. Ça, c'est vraiment trop bien fait. Les pas dans la neige, là, tu fais un petit tour, ça te fait vraiment le petit trou. C'est vraiment bien fichu, c'est abusé. Ok, pas de problème. Qu'une seule arme de poing à la fois. Vous pouvez intervertir les armes que vous avez sur vous et celles transportent. Ah ouais, ok. Oh là, c'est quoi ça? What? Je sais même pas comment j'ai fait ça, j'ai ouvert un carnet. Alors attendez, faut que je retourne à mon cheval, il doit y avoir le fusil sur mon cheval. Et du coup, on va récupérer. Voilà. Les armes rangées sur le cheval. C'est tout? Donc du coup, j'ai que ça en fait. On va prendre ça, hein. Et ouais. L1. Non, il y a vraiment rien d'autre. Maintenez, ouais, c'est ça. Y'a que ça, quoi. Ok. Ok. Bon, bah, mon gars, hein, j'ai que ça. Hein. Appuie. Quoi? Approchez-vous de la selle de votre cheval. Mais ce que je viens de faire, tu te fous de moi? Et alors? Ah, ouais, j'ai pas vu ça. Non. Non, je dis de la merde. Ah, d'accord, c'est ça que j'ai pas vu. Fusil à canoncier, c'est ça. Boum. Ok. C'est bon. J'avais pas fait gaffe. Je pensais que du coup j'avais que ça dans la roue de mes armes. Et en fait, non, ça va, on a un peu plus que ça, quoi. Au moins 2 armes pour commencer, c'est quand même pas mal, hein.
suis assez fan en plus de tout ce qui est canoncier, fusil à pompe. Tous ces trucs que tu fais boum et en général ça dégomme direct. J'aime pas mal. J'aime pas mal. Wow, wow, wow! C'est ça que je voulais faire. Yeah, yes, t'inquiète. Ouais, on vient de chercher mon gars. Boum, on descend. Je sais pas comment on va remonter, mais bon. Les chevaux sont en bas en plus. Elles sont en bas, sont en haut plutôt. Ouais, on est en train de se... On est en train de se peler les miches par contre quand même, on va pas se mentir. J'ai l'impression qu'il y a énormément de trucs à retenir là. En termes de touches, pour les actions, tout le reste, ça va être sympa. Hop. Alors attends, on descend pour remonter là, faut qu'on m'explique. Il y a vraiment pas moyen de faire autrement. Il y a une grotte peut-être. Comme un petit renfoncement et le gars c'est il a dû se camoufler, ouais. Ça semblerait cohérent. On aurait tous fait pareil, je pense, à sa place. Ah, bah, c'est pas garanti en fait. On s'arrête pour boire là, c'est ça? Ah bah oui, on s'arrête pour boire. Ah oh, merci. Noyer d'énergie, plus vite. D'accord. Vaut mieux manger et boire. Hein. Bah ouais, c'est clair. On l'appelait un peu, voir. Hein. Sur la corniche, ok. Ok. Ah, oh, purée. On arrive, mec. That's quite a scratch you got there. Un peu, ouais. Never thought I'd say this, but good to see you, Arthur Morgan. Yes. You don't look so good. I don't feel too good neither. I'm freezing. Don't die just yet, cowboy. Come on, compadre. Well, we can't go back the way we came. Let's try this way. Ain't you a sorry sight? Can't argue with you there. See? I told Dutch you weren't the right man for this. I'm sure you did. You all right? I don't think so. Come on. Hopefully this will lead us out. Look up there. Ah là 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 là. Eh ouais, des loups. On fait quoi, mec? Autant de chevaux. J'ai repoussé les copains de John. Ok. Ah, les chevaux vont avoir peur là. Ouais, surtout que j'ai pas eu les trois. J'espère que ça va pas, hein. Parce que là déjà les chevaux sont agités. C'est celui-là le mien, je crois. Hop là.
Eh mec. Bouge tes fesses, suivez Rabière. Y'a pas de soucis, on va le suivre. Allez mon pote. Yes, c'est parti. On va rentrer au bercail. Ah non, c'est chaud. Mourir comme ça, quoi, j'avoue. Mourir après mordu par un chien, après avoir été mordu par un chien. Oh putain. Voilà. J'en ai tué qu'un. Ah fuck. Allez. Voilà. On verra bien. Non, ça va, je n'en vois pas. Je pensais pas qu'ils allaient. Hop là. C'est une courbe derrière. Appuyez sur L1 pour ranger l'arme. Bah ouais. Okay. Ça roule. Ok. Pauvres chevaux, quoi. Ils vont avoir trop froid. Ouais, c'est net. Allez, go. J'ai hâte de rentrer vers Kai, moi. Yes, parfait. Sont nos potes. We get some help. We need some help here. Come on, help him down. You're alive. You're alive. Right, here we go. Et nous, ah non, je voulais le faire, mais ça me va très bien comme ça aussi. Come on, let's get you warm. Thank you both. This is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank you. You got any other lost maidens need saving? Not today. Have you and Dutch talked about how we're gonna get out of this? I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. I suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that civilization? I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss, let's get warm. Thank you, Mr. Moggy. We have been running for weeks. We found shelter and been resting here in some old abandoned mining town while we wait the thaw. Hardly the spring I had been hoping for. Ok, on a donc terminé, je vais mettre en pause, voilà, on a donc terminé notre première mission sur cet excellent Red Dead Redemption 2. Je dis excellent, je pense pas trop avancer au bout de quelques minutes de jeu parce que du peu que j'en ai vu, je pense que ça va être vraiment crescendo en termes de kiff, de plaisir, le temps de bien se faire toute la partie gameplay, enfin la manette, voilà, gérer tout ça et tout. Mais pour l'instant, pour ce qui est du contenu, pour ce qui est de ce que j'en vois, je sens que je vais mais vraiment kiffer ce jeu. Voilà en tout cas pour cette première vidéo sur Red Dead Redemption 2. J'espère qu'elle vous aura plu. On aura peut-être l'occasion de se refaire très prochainement une vidéo sur ce jeu. Je vais essayer surtout de pas trop tout vous spoiler parce que je trouve que c'est peut-être un petit peu injuste. Mais voilà, on aura en tout cas le plaisir de se retrouver sur ce jeu prochainement. Et ben voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.